Salut tout le monde, je m'appelle Johan Brunet. Aujourd'hui, on est avec OC et Turt. Faut que tu montes pas Turt. Aujourd'hui, on se fait des instruits avec le circuit de Trax. On va se faire des défis. On va faire des instruits, on va se faire des défis et je vais vous montrer un petit jeu que vous pouvez faire entre potes quand vous avez qu'une seule machine et que vous voulez composer à plusieurs. C'est parti ? On s'est fait un petit setup, pas dégueu. On s'est mis deux appareils photo. On en a un ici, c'est celui qui nous filme nous. Et juste ici, on a un deuxième, ça ressemble à ça. On fera pas tout le temps des setups avec deux appareils photo comme ça, les lumières et tout. Mais là, on s'est dit que c'était cool que vous voyez à la fois nos tranches de cake et le circuit de Trax. Turt qui fait du toboggan sur moi. Les règles du jeu sont les suivantes. On va tous les deux composer avec OC un morceau à deux du coup sur le circuit de Trax. Ça c'est la tortue de composition, celui qui prend la tortue compose un élément. Et du coup on va se faire des passe-passe, moi je vais composer un truc, elle va rajouter un truc, moi je vais composer un truc, etc. Et du coup c'est trop cool parce que quand tu composes avec tes potes, ça t'oblige de composer avec les idées des autres. Moi je le fais vachement souvent avec mes élèves, ça te permet d'apprendre un petit peu en regardant l'autre faire en gros. Tu commences ou je commence? Eh ben, Turt choisis. Moi je prends carapace et toi tu prends ventre si tu veux. Ok. Ok. Ah. Putain. Hey. Et elle a mis la première note. Ah mais non, elle a appuyé. Elle a appuyé sur deux boutons en même temps. Parce qu'il faut appuyer sur deux boutons en même temps pour faire. Je vais essayer de lui faire faire des notes. Ok, moi ça me va. Hein. Je vais modifier un peu le synthé. Est-ce que déjà on utilise celui-là? Ok, moi j'aime bien ça. Je vais juste remettre des basses un petit peu sur tous les temps pour faire en sorte que ce soit vraiment house. Ok, moi je fais ça. Ah ouais. Ah ouais. Celui-là il me fait rire. Ah ouais. Et tu sais, on dirait les mouettes dans Nemo là, tu sais qu'ils font ah ouais. Ah ouais. Comment t'es allé dans cette vue? Eh ben elle est preset. Dans drums, tu peux aller aussi dans preset. Mais grave. Mais je savais même pas que tu pouvais faire ça. C'est moi pour une fois. On teste un classique. Ouais, moi je mets ça. Ok. Il y a quelques semaines, j'ai sorti une vidéo un peu tuto présentation sur le circuit Trax dans laquelle je vous montre tout en détail comment ça marche, comment ça fonctionne, pourquoi c'est une super groovebox, comment on peut s'en servir pour aussi faire plein d'autres choses que juste des compos avec une groovebox. J'ai déjà fait une vidéo d'une vingtaine de minutes là-dessus, en fait je sais pas vraiment combien elle dure parce que je l'ai pas encore montée. Ça c'est une vidéo vachement plus cool, vachement plus jam, compo, dans le but que vous voyez plus en mode utilisation réelle ce dont est capable la machine. J'ai rajouté des kicks, des snares, mais je vais mettre un tout petit reverb sur les snares et sur les hats aussi que t'as rajouté. Ah, raté, c'était un delay ça. Donc non, désolé. Tu sais ce qui serait pas mal aussi, au fur et à mesure qu'on compose le truc, c'est d'enregistrer des scènes. Ah oui. Tu vois, et on peut se dire, ok, ça peut nous faire une première intro par exemple, parce qu'après il faudra qu'on performe le truc. On fait shift. On sauvegarde cette scène et ensuite on peut se dire que le reste on le fait sur le pattern de Dan Turt. Ah putain, c'est vrai. Et ouais, sinon installation OK Turt. Oui. Bah je crois que je vais rester là. Et du coup, je peux aussi modifier ce que t'as fait. Ah bon? Ouais. Ouais, j'ai le droit. Ah, je savais pas ça. Il y a un truc qui est drôle que j'aime bien faire, c'est tu mets un peu des notes au hasard. Et t'appuies sur Mutate. Mutate. Ouais, et ça mélange les notes. Et je vais me faire une deuxième partie. Et on dirait trop un truc de jeu vidéo un peu. Il manque un peu des notes. Sur le deuxième pattern là. Je pense qu'on peut se créer un break, tu ouais. vois, avec juste on réduit. N'hésite pas à créer une scène aussi du coup. Je voudrais... Tu veux créer une nouvelle scène? Oui, en enlevant des éléments, donc je duplique. Alors regarde ce que tu peux faire. Si tu dis par exemple, je veux que la troisième scène ce soit exactement la même que la 2, mais avec ça en moins, t'appuies là, et ça va sauvegarder tous les mutes en fait. Okay. Et après tu fais shift, tu l'enregistres là, et maintenant ça c'est ta deuxième.
Et ça, c'est ta troisième qui est la même, mais avec les mutes. Et en fait, si ça, c'est désactivé, ça change pas les mutes. Mais si ça, c'est activé, ça change les mutes. Ok, ok. Mais dans l'idée, c'était ça que je voulais faire. Faut juste que je choisisse lesquelles j'enlève. Voilà, on retourne un peu basique. Ouais, tu vois. Peut-être tu peux même enlever les hi-hats, parce qu'après, moi, je me dis que j'aimerais... Ouais, je l'ai cherché. Péter. Ouais. Faut que je me mette là, c'est ça. Ouais, t'appuies là. Là, et après, je shift. Shift. Dit. C'est où déjà? Ici. Ah ouais. Et tu sauvegardes, du coup, ici. C'était l'emplacement, ouais. Et on revient un peu plus minimaliste, ouais. Et après, on repart sur un autre truc. Ok, vas-y, ça me va, ça. Tu peux dupliquer tout ça sur encore une autre ligne. Ce sera notre troisième ligne pour qu'on fasse péter encore plus. Je peux... Non, non. Non, un par un. Ouais, en fait, il faut que tu fasses... Attends. Tu fais une bêtise. Oui. Ah, ah merde. En plus, c'était genre le truc le plus complexe, non? C'était... Ouais. Ouais. Mais c'est pas grave, je vais le refaire. Quand tu veux dupliquer, tu cliques sur dupliquer, tu prends ce que tu veux dupliquer, tu le mets à l'endroit où tu veux le dupliquer, et ensuite tu lâches. Ah. Sinon, tu vas continuer à le redupliquer. Donc là, tu peux mettre des trucs si tu veux. Et Ah non, moi je touche plus, hein. Je vais faire mais là, c'est ton tour maintenant. Ah non, mais je vais faire il des est bêtises. Où, Turt? Ah, il est là. J'ai peur de faire des bêtises encore. Mais non, t'inquiète, il va pas faire des bêtises. En fait, je trouve qu'il est déjà chargé, non, en fait. Non, c'est bon. Passe ton tour, il y a pas de soucis. Ouais, je passe mon tour. Moi, j'ai d'autres idées encore. Et peut-être que certaines notes... Ouais. Je crois que j'ai une idée pour la suite. Donc tiens. Là, merci. C'est ça fait un peu garde à vous. Grave. Ah, c'est grave ça. Ouais, c'est rigolo. Ok, ça, c'est pas mal. Ouais, c'est bon. Ok. Ok, moi c'est bon. Moi je vais faire suivre la basse du coup. Tin, 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 dirt sans jaillir. T'es très très content. Bon, là, je trouve qu'il y a beaucoup. Et justement, là, j'aimerais faire une sorte de petit entonnoir où petit à petit, on enlève les éléments pour se retrouver à quelque chose de plus minimaliste. Si on enlève le charlet. Ouais, pour retrouver un truc un peu plus basique. Ouais, carrément. Et au synthé 2... Moi, je vais enlever le... Ta-dam, 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 le petit truc là derrière. Je sais pas ce que c'est si c'est un synthé, mais je pense que je l'aurais enlevé. Ouais. Ok, ça c'est notre dernière partie par exemple. Même si on joue dans une team où il y a plusieurs niveaux, je pense que c'est pas mal de justement de s'aider. Et peut-être qu'il y en a un qui peut être un peu plus sur la technique, l'autre un peu plus sur les idées. Enfin, j'ai l'impression qu'entre nous c'est comme ça. Moi je vais avoir plus facilement. Moi j'aime beaucoup tes idées. Les idées, souvent. Tu vois. Ouais. Et toi, t'es bon technicien, tu vois. Je trouve que tu maîtrises bien et tout. Ouais, et en fait on s'en fout qu'il y ait une différence de niveau. C'est un exo que je fais souvent avec mes élèves. Parce que justement, ça leur permet de regarder comment moi je produis et d'avoir des idées qui n'auront pas forcément eu. Et moi aussi, je suis pas tout puissant, tu vois, il y a plein d'idées que des fois tu fais et je me dis « Oh putain, c'est trop cool, j'avais pas l'habitude de faire ça ». Tu me dis par exemple, moi je commence souvent par la batterie, tu m'as dit ça l'autre jour. Moi ouais, je commence ouais, ouais. souvent par la mélodie. Et toi les synthés plutôt et... Ouais, d'abord je cherche une ligne de synthé qui, à part si je veux faire... un genre très précis qui se base justement sur une batterie particulière. Par exemple, la house. Si je veux faire de la house, je vais d'abord faire la batterie parce que mais je sais que j'ai besoin de c'est pour ça que moi je fais, parce que je fais de la house principalement. La et house, du coup, je mets les kicks, je sais où placer après. Et c'est juste des habitudes que tu vois que toi tu as et que moi j'ai pas. Et cet exercice, c'est trop cool parce que ça me force à prendre tes idées et à composer avec. Et inversement. Bah, du j'essaie coup, de faire une live. Alors ouais, comme justement moi je maîtrise pas trop, ouais, je te laisse. Moi ouais. je fais la con derrière si tu veux et ouais, je prends ta. Et tu me dis ce que t'en penses. Je vais le faire 2-3 fois et on garde celle qui est bonne. Tu dois mettre les lunettes de composition live. C'est vrai, c'est les lunettes de live. C'est les lunettes de live. Allez, vas-y, c'est parti. Oh. Ah oui, d'accord. Tu veux recrier pendant une performance ou... Ben ils font comme ça les gens dans la vraie vie. Ok, mais je pensais que tu t'étais chié, tu sais. Non, je m'étais pas chié. Je la refais.
Ok. Elle est pas mal. Nouvelle musique. Autre défi que tu peux faire avec les potes, c'est demander des contraintes musicales à ChatGPT. Tu vois, je peux lui demander par exemple, salut, déjà, parce que... Parce que t'es poli. C'est pas parce que c'est un robot que... Salut. Ça va, tu peux... Ça va. Aussi, Ça va, point d'interrogation. Salut, ça va bien, merci, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Très bien. Donc tu vois, là, on a établi une relation de confiance. Est-ce que tu peux, s'il te plaît... Sois poli, ouais. Me donner des défis de composition musicale. Contraste des émotions. Créer une pièce qui explore des émotions passant de la tristesse à la joie. Ok, on essaie celui-là? Ouais, facile, quoi. Instrument inattendu. Utiliser des instruments inhabituels. Non, j'ai des idées. Inspiration visuelle. Créer une musique imaginée par une image ou une scène. On peut créer la bande sonore qui fait un truc. En plus, regarde, c'est bleu. On peut imaginer que c'est l'eau. Attends, est-ce qu'il faut faire tout ça d'un seul coup? Ou un par un, on les prend? On fait comme on veut. Moi, je pense qu'on fait contraste et émotion. Oups, j'ai appuyé. On fait contraste... Il a dit d'accord. Contraste des émotions et inspiration visuelle avec Turt. Ok, et, vas-y. Tu sais, t'avais un son de bulle, là. Donc, on peut faire un truc... Attends, il y en a un qui peut faire le truc joyeux. Et ouais. Un, le truc gavé triste, et il lui arrive un truc, genre il se casse une patte, tu vois. Ok. Je veux bien que tu commences. J'ai envie d'utiliser des éléments qui font partie de l'univers de Turt. Elle est où, Turt? Dans l'univers de Turt, on a des petites noix de coco. Mais on a aussi des gouttes. Et ça fait grave hip-hop, ça. Ouais. Et Turt, elle fait du hip-hop. Tu la connais pas, quoi? Elle fume ses bulles sous l'eau, là, tu vois. Elle fume ses bulles sous l'eau. Elle est dans la voiture avec ses surbulles. Une voiture surbulle et elle saute comme ça. Carrément. Elle a des, tu sais, les trucs... tu sais, les voitures West Coast qui font comme c'est ça. C'est ça là. Que j'étais en train de... Ouais. Ah, c'est le petit toit de coco qui tombe, c'est ça? C'est le petit toit de coco qui tombe sur le sable. Mais c'est encore chill, tu vois, pour l'instant. Ah, ça va. Il faut que je cherche un shaker plage. Ah, ça fait maracas, ça. Et on dirait grave qu'elle fait ça avec sa petite nageoire, là. Ah, dans l'eau, là. Pour le snare. Attends, c'est celui-là, là. Grave. Ok, c'est validé. Parce qu'elle s'apprête à démarrer super fort, tu vois. Ouais, je vois ça, bien. Elle... Si, c'est une tortue qui fait des courses, des rodéos. Je vais régler la gate de tout ça. Gate, c'est la longueur de la note. Et là, comme je me suis surtout focalisé sur le placement des notes, je suis pas resté bien longtemps appuyé autant qu'il le fallait. Et du coup, celle-ci, par exemple, je veux qu'elle soit assez longue, tu vois, pour occuper tout cet espace, etc. C'est un sustain, en fait. C'est exactement ça, ouais. Putain, j'avoue. Regarde, on lui met des petites lunettes, une petite chaîne, là, et là, elle est heureuse. Elle est heureuse, la tortue, là. Tu crois? Ah, je crois qu'elle est pas mal, là. Ouais, je crois qu'elle chill bien, là. Ok. Moi, tu sais comment je la vois, Turt? Avec une petite bulle dans la bouche, là, en train de fumer une bonne bulle. Comme ça, là. Elle fait du ping-pong, la tortue. Ouais, j'aime bien, ça. T'as tiré le truc vers de l'électro, du coup. Mais ça le fait, je trouve. C'est le requin qui arrive. On essaie de se la faire, celle-ci? Moi, je ferai l'illustration, là, avec les animaux comme ça, là, à la caméra. Ah ouais, grave. Thank you.
Ok, c'était notre deuxième instru. T'as dit que tu voulais essayer d'en faire une toute seule. Toi, t'en fais une toute seule et après j'en fais ouais, une toute seule. Ouais, mais on se met un petit chrono quand même pour que ce soit un peu plus drôle, sinon ça dure trop longtemps. Ouais, chrono, c'est pas bête. Autre défi cool à faire avec les copains, défi chrono. Tu te mets un chrono, 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 4 jours, on a ouais, mis quoi? Ouais, ça marche bien, 5 minutes. On a mis 5 minutes. Et moi, ça va me prendre 2 minutes, hein, sans blague. Ok. Je pense que ça va le faire, hein, 5 minutes pour moi. C'est toi qui lance le chrono. Ok, t'es prête? Ouais. C'est parti. Ah ouais, tranquille. Ah, tranquille, moi, même. J'ai le temps, quoi. C'est pas mal, tu vas vite quand même. Arrête de parler, ça me déconcentre. Le défi, c'est pour stimuler la créativité. Mais si tu veux 10 secondes supplémentaires, tu peux finir ce que tu étais en train de faire. Ou est-ce non, que c'est le jeu. C'est le jeu. Le jeu, c'est le jeu. Ok, on vas-y, monte-nous ta musique. Tu peux la performer si tu veux. Alors là, le problème, c'est que je sais pas faire. Bon, j'essaye. Ouais, ouais, vas-y. Ah voilà, c'est bon. Bon, en vrai, t'as eu un petit truc. Il y a Hervé qui nous appelle. Oui, Hervé, on est en train de tourner là, ça va? Ouais, c'est un truc doux. Vous allez à l'escalade? Ouais, bah ça y est, on est là. Ah ouais, je pense que je vais être à la bourre. Bah, pas grave, tu fais ce que tu peux. Peut-être bah, je peux bah, partir dans une demi-heure si... Si on se dépêche. Si on se dépêche. Bon, alors, je vous laisse travailler. À toutes. Bisous. Je pense que je vais être à la bourre à l'escalade. Ok, dernier instru. 5 minutes, pareil. 5 minutes, tu me dis quand t'es prêt. Et surtout, n'oublie pas notre ami. 3, 2... Attends, j'avais pas fini de m'étirer. Il faut que j'aie mes lunettes de performance. Je peux pas composer sans mes lunettes de performance. Merci. C'est parti. Allez, on va partir sur un truc classique, hein. Ok, j'aime bien lui. Trois minutes. Ok. Ok, ça je me le garde pour le performer. On a pas le temps, hein. 1 minute 30. Oh waouh, je suis tellement lent en fait. Attends, mais je pensais que j'étais vachement plus rapide que ça. Secondes. Je vous ça va être un petit peu chaud pour ce que je veux rajouter. 5, 4, 3, 2... Merde. 1. Tant pis. Ok, du coup, c'est fini. J'ai le droit de... Est-ce que j'ai le droit de performer mon son? Fais un plaisir, vas-y. We'll be right back.
Il était comment le set? Ça va? Non? Moi j'étais dedans en fait. Mais t'as vachement mieux cool que le mien. Ouais, vachement mieux que le mien. Après, moi je l'ai utilisé vachement plus. Tu penses que t'étais pas assez préparé pour, ouais, c'est pour sûr. Ce petit jam? Ah ouais? Ouais, c'est sûr. Il y a plein de petits tips en fait à comprendre, je pense, et que moi j'ai pas. Alors, encore moi ça, compris. Ça m'intéresse vachement ce que tu dis. Dans la vidéo précédente que j'ai fait sur la présentation de la machine, j'ai dit que c'était une machine super bien pour les débutants. Mais c'est vrai que moi j'ai l'expérience de mes autres synthés, mes autres drum machines, Groovebox et tout. Est-ce que tu penses que c'est en fait un peu plus dur? Pour nuancer, si tu débutes et tu peux l'avoir en main facilement, tu peux faire des petits rythmes et tout et t'amuser. Par contre, si tu veux aller plus loin et performer et faire des trucs stylés et cool, je pense qu'il faut apprendre, être rigoureux, apprendre les effets et tout. Je pense que c'est essentiel. Peut-être tu t'es dit, je maîtrise le push, du coup je vais maîtriser ça parce que c'est, ouais, c'est un peu pareil. J'avoue. Et en fait, déjà c'est pas la même marque. Rien que le fait que ce soit pas la même marque, ils font des choses identiques différemment. Sur tous mes synthés Arturia, tu vois, par exemple, je sais que quand je veux copier-coller ou dupliquer un truc, ça va être à peu près la même combinaison de boutons. Mais quand je passe sur du Korg, cette même fonction de copier-coller va se faire un tout petit peu différemment. Mmh, et des fois, ça te switch juste tes habitudes. Mais ouais, ça s'est ressenti. Là, je me suis fait un peu avoir. Je pensais que... Non, moi, je trouve que tu t'es super bien débrouillé. C'est l'exercice n'est pas facile. Et deuxième question, est-ce que du coup, t'as la sensation que cet exercice t'a appris des choses? Est-ce que, est-ce que tu m'as vu faire des choses ou tu t'es dit, hey, tiens, j'ai pas l'habitude de faire ça? Ouais. La parce vélocité. Que c'est le but aussi. J'avoue que la vélocité, j'ai pas. Tu l'as fait un moment? Oui, parce que je t'ai vu le faire avant et je me suis dit, c'est vrai que c'est pas mal. Alors, moi, le truc que je continue à pas maîtriser, c'est les patterns. Je pense qu'il faudrait que je me penche un peu plus dessus. Après, une fois que tu comprends, ça, je pense que ça peut aller très vite. Hein. Je pense que ça reste quand même une machine intuitive. Là, toi, tu l'as utilisé deux fois. C'est quand même pas mal. Pour deux fois, c'est quand même cool. Et moi, ça me plaît aussi de montrer tous les côtés. Pas juste le côté bien, beau, polish. Genre, on arrive, on est trop fort, on fait plein de trucs. Tu vois, de faire des vidéos assez authentiques. Où on galère. Ouais, de montrer aussi qu'on galère parce que, ouais, parce que c'est ça la musique et j'espère que ça vous plaît aussi. Merci beaucoup aussi d'avoir fait cette vidéo avec moi. Merci Jovan Brunet d'avoir participé, de m'avoir invité sur votre programme. Oui. Vous êtes bien aimable monsieur. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'est un format un peu plus détente, un peu plus on fait de la musique sans trop scripter, sans trop se faire un scénar, etc. J'espère que c'était cool. tu fais le mime? Mais oui. Ah ok, j'espère que c'était cool. Merci à Woodbrass de nous avoir envoyé le circuit de track, c'est trop cool de leur part, ils soutiennent la chaîne. C'est hyper dur de parler, faut que tu fais ça. Si vous avez des petits achats à faire, en description il y a des liens d'affiliation, et si vous achetez n'importe quel produit sur Woodbrass via ces liens d'affiliation, nous on touche une toute petite commission, ça nous aide à faire tourner la chaîne. Et vous, ça vous coûte pas plus cher. C'est tourner la chaîne. Oublie pas de mettre un pouce, de t'abonner et de laisser un commentaire. Ça nous fait super plaisir de vous lire, d'avoir vos retours, etc. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. C'était Jovan Brunet. Et aussi. Salut. Bisous. Salut. Et Tert. Et Tert. Et Tert, c'était Tert. Tert.